En plus, pour le moment, le but que je suis avec mon druide, je suis un petit peu au corps à corps. T'sais, je donne pas des coups, mais mon pouvoir, faut qu'il soit quand même un petit peu proche de mon adversaire pour qu'il touche. Puis je vois genre sur le Discord des accros, que Antithèse, ton jeu de Zombie You a de la misère, puis là, je crois qu'il avait pas prévu un plan B. Bon, tu sais pas de commencer, tant qu'à y être que je suis en train de te parler. T'aimes-tu mon. J'ai changé un peu mon. Mon stream starting, parce qu'à cause d'un stream de un streamer, je me dis ah c'est ben non beau son intro là, avant que ça commence. Je me dis tu te mets d'utiliser mon genre de samouraï ou renin là. Parce qu'on ne le voit jamais quand je lance un jeu. Là, on y va. C'est ça qu'il faut faire place quand c'est bien. Peut-être les gens des tapent dans le jaune. Pas trop que ce soit. Tu disais quoi? Il y a une. Ben, je vous dis que je vais commencer, je sais pas si c'était ça. Ouais, un genre de. Ouais, de renin samouraï. Ben, je dirais plus, ouais, peut-être renin, là, si je me fais un petit peu à Ghost of Tsushima, là. Ah, pas Tsushima. Bon, attends, je pense que je vais te dire carrément sur le CD. Est-ce que ça t'entend pas de scraper le nom? En plus, c'est un bon jeu. Normalement, il va à la fin. Où je l'ai mis, collé? Non, il est pas là. Ah, c'est ça, Ghost of Tsushima. Bon. Un peu comme ça à peu près, parce qu'à un moment donné, faut t'affronter des renins. Et chacun sont quand même relativement à balèze. Faudrait j'y joue à un moment donné hein, aussi. Mais ça, je verrai parce que là, j'ai un jeu que je vais streamer d'ici en fin de semaine. Là. Ça me fait chier, genre j'aurais pas dû voir les vidéos. Si il y en a qui. Ça a l'air qu'il y a eu, je pense, pas si bonne critique que ça, le. Gotham Knight. Ça me fait un peu chier. Hein. Et ça a l'air, c'est comme genre. Ce qui ressemble, c'est comme. Les boss sont faits pour deux. Si tu joues tout seul, t'es toujours genre, d'après que j'ai vu. Ou tu sois quasiment au maximum du level du boss. Ou même peut-être un peu plus. Pour peut-être assurer que ça va bien. Parce que c'est. Il a l'air d'avoir un côté RPG un peu, genre faut que tu montes tes trucs, faut que tu charmes des trucs. J'ai-tu baissé trop le son du jeu? Ouais, c'est ça. Moi je l'ai mis un peu plus. Il faut bien que vous l'entendez. Le travail. Ben, si je vois que c'est trop difficile comme que j'ai vu, je suis désolé, je vais jouer en easy. Si je dois farmer comme un tapon pour juste avoir les meilleures affaires, là, ça va me faire un peu chier. Là. C'est normalement dans. Parce que le problème, c'est que Batman est mort et c'est comme s'il était séparé en quatre. C'était comme les quatre compétences, ou à peu près les quatre arbres de compétences de Batman étaient séparés en plusieurs, tu sais. Parce que j'aime bien, oui, jouer en furtif, mais si j'ai besoin, genre, par exemple, de frapper comme Red Hood, par exemple, tu sais, je suis quasiment obligé de, genre, jouer peut-être à deux joueurs, que je joue à deux personnages, puis les monter chacun. C'est sûr qu'avoir peut-être la moitié que je jouerai pas, ça va être. Je sais pas qui. Je sais pas, le petit. Le Robin, je vais peut-être le jouer parce qu'il joue furtif.
Je vais errer, là, parce que je sais que... ouais, c'est ça, Batgirl. Elle est axée sur le hacking. Puis Coran, il pourrait jouer. Bah, je sais même pas s'il a l'intention de... J'en ai même pas parlé du jeu, donc... pour le moment, il va acheter, je pense, Borderlands 3, donc... je lui dis, faut qu'il achète un autre jeu, on verra. Ben lui, faut qu'il ait des fusils, tu sais. Donc, il jouera à peu près pratiquement un Red Hood, tu sais. Ben, je sais pas s'il aime ça, donc... c'est plus moi qui aime bien des trucs qui n'ont pas vraiment rapport avec des fusils, là. Bon, on ne va pas mourir. Ah ouais, c'est tout là. Non, c'est ça, faut que je charme le son de ma TV. Attends, pas mon gunner non plus. Ah ouais, ça a plus port, Marvin. Hein. Non, Batman, ça c'est DC. Ben, ils l'ont, en plus, ils l'ont comparé justement au jeu de Marvel qu'ils ont fait, ça là. Ben, pas de la compagnie, mais je veux dire. Le gars l'avait comparé justement à l'autre affaire de Marvel. Les Avengers, je pense. Ben, j'ai pas joué, je pense que j'ai juste joué à. Ah, le Freeze Gun, ça, je dirais, c'est Gardien de la Galaxie. C'est lui qui avait les pistolets. Ouais, les pistolets qui gèlent puis tout, puis feu. Hein. Sauf si tu parles des équipements de. Oui, c'est ça. Ouais, celui-là, je l'ai fait. Lui, je l'ai bien aimé. Maintenant. Oh, ça se peut, je tousse un peu, mais pas beaucoup. Dans Batman, non, il n'y a pas de gun. C'est vraiment Red Hood qui a pris genre un autre chemin. Lui, c'est vraiment brut. Bah, tu sais, en même temps, c'est genre, je peux spoiler, genre, le... Attends, c'est quoi? C'est le chevalier de Gotham, je trouve ça? Attends, non. Ah, comment il s'appelle? Un des derniers Batman qui est sorti. Justement, t'avais comme le... Celui qui ressemblait comme un robot qui poursuivait Batman. Ben, c'était justement Red Hood qui... qui était lui. Ah, les gardiens, c'est... attends, les guns, c'est... Je pense que c'est Rocket. Steve McQueen, donc... T'as vu avoir un jeu de robot? Ouais, j'en ai entendu parler, pas vu encore. Ben, je pense que c'est un truc de VR, donc... pas vraiment le truc qui va m'intéresser pour le moment. Hein. Surtout qu'ils vont sortir un VR 2 pour la PlayStation. Là. C'est fun de VR, un de mes fun là. Ouais, si j'en vois un qui est pas cher à ma vie, peut-être là, mais. Je sais même pas si la version PS4 est compatible avec la version PS5. En même temps, je vais ouvrir la petite guide pour pas.
RD. Ah, voilà. Ouais, j'ai des. Juste pour ceux qui vont regarder peut-être la vidéo plus loin. Je suis niveau 16. Juste pour vous dire, là. Bon, c'est mon. Ben, à date, j'ai pas perdu aucun hardcore. Je croise les doigts. Pour le moment, ceux que j'ai créés sont pas morts encore. Qu'est-ce qu'il fait, là, les zombies? Ok, bon. Ben, ouais, je suis rendu 16, donc j'ai pas encore fini, donc faut que je. Là. Ah, bon, fallait qu'il m'empoisonne. Ben, c'est quoi, t'as écrit? Ok. Tu le fais. Flame. Non, c'est le but qui veut ça. Juste pour te. Genre de 1 à 13. Genre, Faucha, genre Firestorm. Puis après, là, je fais les trucs qui ont rapport avec. Là, de. Ouais, c'est ça. De 13 à 20. À 26. Encore feu. Non, c'est parce qu'au départ, je pourrais dire, en normal, le feu est très puissant. C'est pour ça. Après, pas loin de ça, là, ouais, ouais, ça se peut aussi, ouais, que je continue dans Firestorm, dans les trucs de feu, parce que ça a l'air qu'avec la patch, le druide de feu était très fort. Là, je sais pas si je vais garder comme qui. Je pense qu'ils veulent que je fasse genre. Je pense que c'est quoi? C'est genre Hurricane Tornade, mais. Ok, non, c'était pas là. Moi, j'avais vu genre. Chose d'autre. Ah, c'est bizarre. Non, parce que des fois en haut, ils montrent genre les éléments pis les trucs, puis je voyais genre. Dans Shockwave, mais pourtant. Il y avait rien qui marquait Shockwave ou des trucs. Moi, c'est ça, je vais le faire, genre, côté. Côté Fire, mais. Une grosse partie qui va être en feu. Je vais pas copier une autre fois mon. Mon druide de vent, là. J'ai vu Wing, mais j'aime pas. Le Shockwave, c'est ours. Ouais. Ben, je sais pas pourquoi ils ont mis le truc, mais c'est juste feu, là. Le build est vraiment feu-feu. Bon, avec lui, là, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais il y a une chance de je sais pas quoi. Je suis pas une genre, gars. Les charmes, là, d'habitude, j'en ai pas autant que ça. Là, j'en ai beaucoup. Je veux juste voir il y a combien de chances. Ouais. Ah, il y en a même pas, pis si ça drop comme rien. Là, je garde genre toutes les chambres qui me seront utiles. J'ai vu un gars battre Mephisto en ours avec la plante toxique. Ben, la plante toxique, c'est un verre. Si tu parles de la bibitte qui sort et qui rentre tout seul, c'est le verre. Je sais pas c'est quoi je voulais faire. Ok, pas. Bon.
Ah, ça peut valoir de l'argent. Ouais, peut-être. Ben attends, je vais me reculer pour pas me faire tuer. Et normalement, ça peut. Ouais, l'IR. L'IAD. L'IAN. Et l'IR. Ok, il y a deux l'IR puis un l'IAN. Oh, Grain. Et lui, je pense que c'est, ouais, c'est ça. L'IR empoisonné. Invoque du l'IR qui transmet aux ennemis touchés des maladies. Qui avait rencontré quelqu'un. Me demande si monter haut level, c'est bon ça. Les verres? Peut-être, je sais pas. Attends, je pense qu'il y en a un qui fait le poison. Lui, il dévore les cadavres. Ça fait un peu comme comme lui qui dévore les cadavres. Lui, c'est froid. Il dévore aussi les cadavres, mais il rend de la mana. Je pense qu'il y en a un qui rend de la vie, l'autre qui rend de la mana. Ben, t'invoques celui que t'as de besoin. Ben, faut juste pas invoquer celui-ci, parce que lui, il dévore les cadavres, mais pour se renforcer. Donc, si les deux dévorent les cadavres... Celui du poison level 20. Attends, faudrait que... Je sais qu'à un moment donné, tu t'as comme genre des points supplémentaires à un moment donné. C'est de loader mon druide. Non, je veux pas sauvegarder. Mon profil... Ok. Là. Je vais sélectionner mon druide 20. Ah, oh, je peux faire mon druide feu aussi. Mon druide vent, ouais, il est axé sur les bêtes. On dit qu'il est level 99, par exemple. De toute façon, je vais pas sauvegarder le truc, là. De toute façon, on va dire qu'il est tout fait. Il me restera genre 12 points. Ça, c'est au max, max, max. Je sais pas si je dois augmenter mon ours qui est 12 points, mais... Ouais, c'est ça, c'est genre quand tu fais Tarnan, faudrait genre la version... Attends, je vais resetter toutes mes skills, t'sais. Bon, on va faire genre... Lui, je veux qu'il soit, ouais, level 23, donc ouais, c'est ça. Là, c'est genre avec mon kit... Attends, c'est quoi qui est bonus? Je pense que c'est Rabbi. Ok, bon, il faut que tu mélanges un peu avec. Feral. Ouais, Rabbi, ouais, il faudrait que tu fasses un peu de lycanthropie. Parce que ça a l'air qu'il y a un bonus de 10% si t'as Rabbi. Poison Creeper. Ouais, c'est ça, les deux sont liés. Genre, le ver de terre, ben, vous dire, le truc au poison va. Lui, il va avoir 10%. Bon, attends, gars, je vais le montrer de même parce que. Si je parle d'un peu dans le vide, ça va pas fonctionner non plus. Bon, lui, il y a rage. Rage, lui, il va avoir 10% de rage. Donc, ici, c'est rage. Donc, lui, il va avoir de l'autre. Empoisonné de 20% pour faire lycanthropie. Il faut jouer un peu avec métamorphose pour qu'il soit quand même un petit peu plus puissant parce que là, de base, il va de 1203 à 1292 de dommages de poison. Je pense même si tu augmentes aussi avec l'autre.
L'autre qui double les points de vie aussi. Ça peut aider. Ça monte jusqu'à... jusqu'à 20 pour qu'au moins avec lui, il va avoir 190% de plus de vie. Donc il pourra durer plus longtemps. Là, je vais essayer de voir c'est quoi t'as marqué. T'as marqué de quoi, bien sûr. Ah, c'est ça, faut que tu mélanges Veilleur de poison et Rage. Si tu joues en français, c'est Rabbi ou en anglais si tu joues en anglais. Faut que tu. Si tu joues. Ouais, faudrait que tu joues un druide poison. Si tu veux vraiment peut-être accentuer le truc. Donc si tu veux. Attends, je vais voir s'il y a justement un. Attends, druide. Poison. Ah, c'est ça, un Rabbi druide. Je vais voir si. Tu as l'IR et est dedans. Ouais, clique dessus, mon petit maudit. Ouais, ok, ça veut dire que. Ah, ok, il y a le même. Ah, il y a la même baguette que le nécro. Ah, ouais, c'est ça, il prend genre les. Ceux qui prend pas genre les deux points de poison et d'os, et il prend le reste. Donc il va avec. Ah, ouais, ça c'est le Hit Hunter Glory. Ça je pense que je l'ai pas encore trouvé, ça a l'air que ça aide. Les gants de Trangle, ça je sais que tu peux quand même trouver ça relativement simple. Gore Rider. Ça je pense pour t'aider à, comme je pense, pénétrer la défense. La ceinture c'est quoi? Vernigo. Ouais, celui-là je l'ai pas eu encore. Ok, il lui faut du. Ouais, l'attaque. Ouais, c'est ça. C'est marqué attaque rating. Ça veut dire que c'est. Score d'attaque. Je me trompe pas. Ravenfrost. Ça, je l'ai déjà. Ça, j'étais chanceux, je crois. Attends, non, c'est tu vois. Non, c'est Nain que j'ai eu d'un ami. Un ami qui avait droppé ça. Ravenfrost, ouais, ça, c'est pour une protection contre le cold. C'est une deuxième. Ah, j'ai pas cliqué dessus. Attends, hein. Ok, l'autre c'est juste pour te renforcer, ok. Bon, les pouvoirs c'est quoi? Ok, c'est marqué. Attends, bon, je vais le traduire parce que j'ai lu ça. Il y a certains mots que je comprends pas en anglais. Nécessite un équipement de niche. Ok, bon, il coûte cher ça veut dire. Spot agricole limité. Ok, bon, ça c'est pour le farming. Ça excelle vraiment en fin de partie. Ok, bon. Il est puissant vraiment vers la fin, ok. Bon, les points positifs, c'est très tanky. Ah, ça veut dire qu'il encaisse bien. Style de jeu unique. Ok. Une grande capacité de survie. Ah, ça, c'est peut-être prometteur. Ce guide contribue à un personnel de niveau 75 avant de passer. Puis c'est consulter notre guide. Okay. Truc général. Ah, c'est ça, faudrait ouais, avoir le. Fissure pour attends, pourrissante, ouais. Attends, je vais regarder en même temps si tu dis quoi, ouais, parce que je veux pas. Attends. S'il te plaît. Non. Ok, t'as marqué ça. Ça, c'est le Pokémon. T'as marqué Épine ou Maelstrom. La baguette, c'est quoi? C'est la baguette, genre. Attends, je vais te dire ça. Attends, je l'ai à côté. La toile. Ouais, c'est ça, la toile de la mort ou d'être. Attends. Attends, je peux repenser de toute façon en anglais, là. Ouais, ça s'appelle Dead Web. Elle est quand même relativement dure à trouver, là. L'autre, c'est Head Hunter Glory, le bouclier. C'est vrai que le petit charme anti-poison, ça je pourrais te le trouver au pire avec ma sorcière, là. Ou juste que je charme les zones. Parce que les charmes sont 75. Faudrait que j'augmente encore plus ma sorcière pour le faire. Je suis dans 60, donc ça devrait pas trop tarder. Que j'en ai. Pour le charme. Ok, ouais, ça c'est correct. Ok, bon.
Ouais, c'est ça, il fait vraiment la zone, donc il faut mettre... attends. Ok, il y a pas... Il faut mettre 20 en lycanthropie. Ouais, hurlant nocturne, en tout cas. Ok, ouais, lycanthropie, c'est à côté. Donc, ouais, 20. Les deux premiers, 20. Ici. Rage animal, 20. L'autre, la rage ou rabis, 20 aussi. Puis le dernier, juste 1 pour la furie. Élémental, non, il n'y a rien pour tout. Summer, ah oui, justement. Ah, donc, ouais, c'est vraiment lui. Donc, ouais, il a mis 20 points en poison creeper. Donc, le liège d'invocation. Ah. Donc, il a mis 20 points ici. L'IR empoisonné. Puis, il a mis 1 point dans les autres. Il a mis 4 points dans Earth Wolverine. Donc, il a mis genre 1 point à tout ici. Il a mis 1 point ici. Puis, il a mis 4 points ici. Au cœur de Serval. Donc, c'est ça les. OP, ouais, je vais te donner le site. Donc, ouais, c'est ça. Le site build utilise justement le lierre de poison. Ayas, le Poison Creeper. Ouais, c'est ça, je vais te donner le guide, comme ça. Ouais, surtout avec la baguette, c'est vraiment la baguette qui va tout faire, je pourrais dire, tu sais, il va pénétrer les défenses de l'antipoison. Hein? De toute façon, c'est vraiment, comme j'ai dit, genre, faudrait le mettre à 20, le liège, puis justement, il l'a mis à 20, donc... il va t'aider à mettre le poison pour activer tes trucs, sûrement, là. Ouais, c'est ça, les animaux qui sont là, c'est vraiment pour te défendre, là. Avec les... Attends, je vais aller voir combien qui est quand tout est mis. Ok, c'est ça, avec tous les équipements et les cossins. Ah, c'est ça, ils vont être à 11 ou 14, ouais, selon le truc. Ouais. Ils vont être à 30, ouais, c'est ça comme ils vont être... Ben, c'est sûr qu'on n'aura pas toutes les chambres, là, mais c'est sûr. Ben, je pourrais quasiment convertir mon nécro poison en druide poison. Oh. Et ça, on va le fermer temporairement. Ça, c'est vraiment la baguette qui va vraiment te faire des petits miracles parce que elle est vraiment excellente pour le poison. Faudrait que je la trouve un jour, là. Attends, je vais essayer de voir si... Attends, c'est quoi? C'est dead... Ah, tu sais bien de cliquer dessus. Elle va me donner carrément... parce que le site est lié à un site de... Je pourrais dire d'échange. Donc, je vais juste cliquer sur le truc et ça va me l'envoyer direct. Je vais voir si en non ladder, j'ai une chance de l'avoir. Pour voir. Ouais, je vais être en mode soft, qui veut dire normal. Je m'en fous un peu. Non ladder, parce que je sais que j'ai aucune chance de l'avoir non ladder pour le moment. Ok, donc je m'en fous des points. Pour le moment, meilleur offre. Ah, ok, je peux-tu classer sur... Attends, il n'y a pas un genre les plus vieux. D'habitude, les plus vieux ont des chances que ça soit moins cher. 3 jours. L'eau Vex. Non, je pense que je vais aller en plus récent. Ok, donc lui. On va regarder. Oh, ok, il y a... De quoi, vraiment? Attends, il y a la date de quand, ça? Il y a 3 heures? Attends, ça ne pourra pas date de 3 heures. Ah, ok, ouais, il doit l'avoir remis plusieurs fois. Ça va, il a refusé 7 hommes, une bear, deux bears, une jaw istful, il a refusé, une soldier, il a refusé,
Une Tseu, il a refusé. Une Zod, il a refusé. Une Lo Vex Homme Ist, il a refusé. Une Jo, il a refusé. Une Berne, il a refusé. Ah ouais, c'est quoi qu'il veut en échange? Colic, il a l'air d'avoir refusé toutes les bonnes, bonnes runes qu'il y a. Bon, celui-là aussi. Lui, c'est quoi? Ah, il y a eu deux offres. Une Berne, une Zod. Ok, ouais, en fin de compte, ça coûte un bras pour le moment. Ouais, si rare que ça. C'est en train de me dire que je peux pas en avoir une de base toute cucu. Ok, oui, il y a personne à la date qui l'a demandé encore. Attends, je vais le mettre dans les favoris celui-là. Au cas où. Ok, oui, il y a personne encore qui a fait d'offre. J'ai peut-être une chance de lui faire une offre. Oui, c'est quoi? J'ai ça, moi, quand il marque Buyer Off, donc tu sais pas c'est quoi qu'il veut. Ah, lui, il va faire une baille à 5 heures. C'est peut-être parce qu'il est au travail, donc on le saura pas. Lui, ça date de 12 heures. Ok, lui, il a rien. Donc je vais la mettre aussi en favori. Celui-ci encore meilleure offre. Il n'y a rien aussi, donc je vais le mettre dans les favoris. Ah, pour le moment, c'est juste les premiers qui demandent quasiment un bras. Ah là, je vais arrêter ou sinon j'aurai une dizaine dans mes favoris. Il n'y en a rien qui demande genre quelque chose en échange. Jobert. Jolobert. Lovex. 3 Ja. Ah, déjà, j'ai eu une Vex, mais pas une Lo. J'ai eu des... On verra, mais ça... Faudrait que je me renseigne pour voir. C'est-tu un petit peu comme mon mercenaire? C'est une genre de baguette qui doit... doit être rare ou quoi? Des R, on va aller voir... Liste d'objets uniques. Es-tu considéré juste ton nécro? Pour voir. Ah, yep. Bah, je vais avoir direct au cas où. Il est dans la liste, le nécro. Pour voir si c'est exclusif à lui, même si on peut l'utiliser. Pour le moment, non. Mais pas exclusif au nécro. Ah, je suis allé trop loin dans revenir en arrière. As-tu vu l'armure de... On va voir qu'est-ce que tu dis. Je vais le faire en normal par contre, ouais. Ah, c'est ça, je regarde en ce moment, là, en haut les deux, parce que j'ai pas les trucs qu'il faut pour l'avoir. As-tu vu l'armure de Tal? Non, pas encore. Ben là, je suis plus en haut les deux, c'est pour ça. donc c'est une baguette. C'est si bonne que ça, je pense qu'on va aller direct en exceptionnel. Pas celle-là. Headweb, ouais, c'est ça, elle est exceptionnelle. Pour le moment, c'est pas marqué genre leader, donc elle peut dropper n'importe quand. Bon, je verrai plus tard où ce qu'elle peut être droppée. De toute façon, je peux même avoir une chance peut-être de... Elle est, je pense, niveau 74, ouais. Si je prends une zone 74, dans les terrains, je vais peut-être avoir une chance de l'avoir. On verra ça. Et ben, on va continuer. Parce que là, j'ai plus ma lance de titan pour faire un échange, donc... Ah ben... Ouais, je pense que quand t'avais posé la question, je crois pas que c'est juste esthétique dans la version éthérée. Je crois que lancer, juste la lancer, la lance, je crois que ça la dommage pas. Je pense que c'est un truc comme ça, je crois. Donc elle fait plus de mal en lançant, mais
C'est sûr, si t'attaques avec, là, elle va être endommagée, mais je pense en lançant, elle sera pas endommagée. C'est peut-être pour ça qu'elle coûte plus cher. C'est pas juste esthétique comme le streamer dit. D'avoir avalé un poil. Encore un charme. Je dis pas non, mais ça. On est un petit peu trop pour la normale. Bien, j'ai vu des pales qui cherchaient du éther, mais peut-être aussi les deux. Ben, ça dépend du paladin. Ouais, c'est vrai que j'avais gardé la baguette parce que je sais que ça vaut de l'argent. Ah, Mousiné. Pas le maman sur ton hardcore. C'est ça quand un nid me pique pendant que je joue. Je vais essayer Diablo 2 et Twitch en fenêtre. Ok. Si tu... Ouais, potion de moyenne, ouais, je vais l'enlever celle-là. J'en ai-tu pris d'autres qui étaient pas... Ah, oh, correct. On va me vider avant. Restez un instant et écoutez-moi. Attends, c'était quoi? Deux de maîtrise de squelette, trois dedans. Ah, je l'aurais pu l'échange. Ah, oh, c'est pas grave, je m'en fous, je veux avoir de l'argent. De l'argent. Résistance. Ah, ça, je garde ça. Je garde ça. Ouais, ça, je garde ça. Ok, donc j'ai eu... mes petits charmes sont toutes résistants, c'est bien. En est que je garde parce que c'est point de vie, là. Pas parce que je sais que j'en ai besoin de la défense. Point de vie, donc j'ai garde pour ça, surtout. Ouais, faudrait que j'aie de la résistance à en foutre, parce que... à ce niveau-là, ça commence à avoir de la foudre. Thank you.
Ah, j'ai ça, moi, quand je fais tout le tour pour rien. S'il y en a qui voient que je regarde pas trop le chat, c'est parce que j'ai vu quelqu'un qui a failli mourir juste en regardant le chat, donc en jouant au jeu, donc je regarde du coin de l'œil une fois de temps en temps le chat pour voir. Devil GJ. Attends, ils ont des squelettes mages dans ce jeu. Ça semblait un piège du jeu, ça. J'ai-tu une bonne ceinture ou c'est juste une ceinture? Donc, je vais juste la prendre. Ouais. L'identifier avec Kane. Ah, je vais aller chercher quand même mon gars parce que si je laisse trop longtemps un non vivant, il va avoir du retard dans le level. Oui. Faut penser à ça. Ouais, tu penses là? Ouais, défense, ouais, je vais le prendre. Bonjour. Ok. du mille, ça devrait être assez. Heureux de vous voir. Ah, ici. En tout cas, j'ai hâte d'avoir mon niveau 19 pour avoir plus de puissance pour mon feu. Niveau 17 pour avoir un petit plus une autre armure. Ah lui il manque la force pour l'avoir, mais. Ok. Si vous découvrez un hôtel de gemmes,
Si vous avez une gemme que vous voulez augmenter, elle doit être dans votre inventaire. S'il n'y a pas de gemme dans votre inventaire, il va vous en donner une de base. Moi, ça va mieux qu'hier, parce qu'hier, j'arrêtais pas de tousser une fois de temps en temps, puis ça me faisait chier. Là, ça va mieux. Je peux parler sans que ça me... que je touche trop sévèrement. Là. Non, parce qu'il y a un stream de monde qu'on parle une fois de temps en temps, puis quand je parle, ça déclenchait quand même ma toux, donc... Je me dis, si j'arrête pas de tousser, ça va être encore plus pire si je parle. Je mets tout le temps un hôtel qui a pas rapport avec la zone. Et j'aurais aimé soit poison, soit feu, tu sais. Ok, une petite zone vers la gauche que j'ai pas encore découvert. J'ai trouvé ça. Ah ouais. Là, je trouve ça bizarre des fois. À un moment donné, tu rentres dans une zone, il n'y a pas un esti d'ennemi derrière de toi. Puis là, ouf, si tu avances dans un endroit où il y a des ennemis en face, puis ouf, s'il y a des ennemis vers l'arrière, tu sais. Là, je trouve ça bizarre dans le jeu. À un moment donné, c'est quoi? Ça m'est arrivé souvent dans le monde des vaches. C'est genre, j'ai fini une zone, je reviens, puis là, je vois des vaches. Là, ouf, s'il y en a dans mon cul. Quand il n'y en avait pas en tout, j'avais vidé le truc, là. T'sais. Des fois, le jeu, ils font popper des trucs derrière toi, des fois. Ah, oh, j'aime mieux protection, ouais, peau dure. Ouais. Son évocateur. Je sais qu'il y a un truc dans la vidéo. Trop de... Ouais, c'est vrai que j'ai besoin de potions de vie, mais... ça m'est déjà arrivé, j'ai l'impression qu'il respawn, ça m'arrive juste en les deux. Ouais, ça, je trouve ça bizarre, c'est-à-dire. Comme si le jeu veut te tuer, c'est-à-dire. Il paraît que l'avant... Ah, j'ai plaisir... Oh, le parc. Salut. Oh. Je sais qu'il fallait que je mette un point quand j'affronte Ramadan. Fallait que je fasse ça dans First. Oh, okay. First. Deux feux.
Ah, puis Israël dans le truc. C'est à niveau 10 à peu près. Ouais, niveau 12, donc ouais, c'est ça. Putain, il y aura 2 points. Je viens de mettre un point. Ah, il y a peut-être un point que j'ai skippé ou soit. Voir. Ah non, ouais, peut-être, ouais, il va donner 2 points, peut-être. Ah, j'ai-tu encore mon papier des. Attends, je l'ai-tu mis là? Non, ça c'est. Ça c'est des ondes de farm, là. Pas pareil. J'avais des petits papiers quand j'avais joué à un moment donné. C'est le papier là-bas. Ouais, c'est où je l'ai mis. Ah, je l'ai peut-être mis en dessous des autres papiers, pas loin. Ah, là, c'est sûr que mon avatar va bouger trop loin. Ok. Le démon. Ah, c'est ça, il donne 2 skills. Donc, les 2 skills que j'ai besoin vont aller là. Ok. J'ai ma réponse. Ah ouais, il l'a-tu trouvé son jeu? Je vois encore que... Blue Stinger et Broken... Follow me, surprise. Pas qu'il va trouver son jeu. Bon. Bon, la suite, c'est de trouver le cube dans le couloir de la mort sous la colline aride. J'ai appris que vous... Là, j'ai 4, 8, 9, 10, 11. Dans 8, je peux bien le vendre. Et 4. Oh, le dernier met de la vie au cas où. Bon, la musique qui est en ce moment, même si vous l'entendez pas dans la rediffusion, bon, ça me fait penser à un truc genre Mortal Kombat. Ça, je pense que c'est un bout de pierre. Non. Les calices de chiens qui vont partout. Ah, j'espère que ça va pas me tuer cette affaire-là. Ah, j'ai appelé Big It. Big T. Je sais pas si je l'ai bien lu, je sais qu'avec moi. Ok, il est éthéré, donc non merci. Gros dent, ok B. Ok B, ah oh, ouais. Grosse dent. Okay.
Ok. Et ça a un double sens, ouais. Ah ouais, j'aurais aimé qu'il y ait une option pour activer certaines choses. Ok, Allez, Narine, ok. Ah. Peut-être que baisser un peu. Quand je remonte de level, je prends pas de chance. Ok, là je suis niveau 17. On se sent encore dans les vitalités. Ouais, là c'est encore fissure. On prend les deux coliques. Tu as un trio, tu vas l'avoir, mais faut juste que tu prennes de grandes frites si tu vas avoir le truc de Monopoly. Bon, je pense juste pour. Je pense que je suis quoi? Je suis à un emplacement dans le Monopoly McDo pour avoir un setup nouveau. Le nombre de fois qu'on va chez McDo, ça va. Autre chose. Là. J'ai trouvé ça bizarre. T'avais comme une dame pendant que je mangeais avec ma mère. T'sais. Elle nous a donné ses petits collants de Monopoly. Donc on met un petit peu trop de potions. On va sacrifier de la vie. Sur un strip, il y en a un qui je pense qu'il avait dit surtout en hardcore, faut utiliser les potions mauves. Ouais, mais tant que j'ai pas de cube, je peux pas faire les potions de. Je pense que c'est quoi, rajeunissement total. Faut pas les faire tant que t'as pas le cube. Je les garde pareil, mais je les utilise pas pour le moment. Ah là, j'ai pas de place. Là. Je dois à chaque fois sacrifier un truc, ça va faire chier. Oh, un 10. Et lui, il est à chaque fois qu'on va aller.
Aussi que je l'aime, mon PC. Il rentre des deux en fenêtre et il regarde le stream en même temps. Ben moi, il faudrait que j'aille une nouvelle carte graphique puis un petit peu plus de RAM. Je dois faire ça. Ah bon, c'est ça que je voulais. Que les narines de le chercher justement. Bon, c'est le chemin est là-bas. On va descendre. Ah, ça m'a dit, c'était quoi à un moment donné? J'avais vu une annonce par rapport à une carte graphique. C'était genre, elle était tellement grosse que. Elle a quasiment la souder à la carte mère pour qu'elle tienne tellement elle était grosse. Je pense qu'ils ont même annulé ce modèle-là parce que. Je pense que j'avais vu même une blague, c'est genre. Le gars visse une carte graphique, mais genre plus grosse à l'extérieur de son appartement. Un petit peu comme si tu mettais genre ton air climatisé dehors, tu sais. C'est pour avoir l'air, tu sais. Demander pourquoi je fais des contours. Parce que quand tu fais des contours, t'as moins d'ennemis, déjà un. Et tu peux trouver la suite du niveau plus facilement. Ben, c'est sûr que là, oui, il y a des ennemis, mais. Surtout pour trouver la suite du niveau. Ouais, j'ai besoin de plus de potions. Ben, je vais garder au cas où si quelque chose du drop. Au moins, je vais avoir peut-être un emplacement de plus. Ça ressemble. Ouais, ça ressemble à une suite. On va continuer parce que là, j'ai besoin de mon cube. Ah, tiens, je suis même tombé dessus. Ah, une nef en plus. Ah, vous me faites chier, là. Je vais me départir. Ah, attends, je vais aller en ville, là, parce que je suis tanné de enlever des trucs. Non, parce que je garde les pierres en même temps. Tant que j'ai pas mon cube, je peux pas y mettre dedans. Restez un instant et écoutez-moi. Ah. Non, mais c'est là. Ok, bon, est-ce que la bague vaut la coup? Vaut pas vraiment pour la moment. C'est un honneur de vous servir. Ah. Bon, pour le moment, ça devrait aller. Pas le nombre de trucs que je peux trouver, ça devrait aller.
Des fun, les coffres qui a rien dedans. Le truc qui me fait rien, c'est genre un coffre avec une clé. Quand il est déjà barré. Tu déverrouilles, il y a un coffre qui a rien partout dedans. C'est encore du tout. Faites chier. Là, je suis obligé d'avoir une coupe de potion tant que j'ai pas une grosse ceinture et puis le cul. Enlever ça. Ah, parce que les armures pour le moment, tant que j'ai pas l'armure que j'ai faite, je peux pas apporter tant que j'ai pas le niveau. Je peux pas dire non plus à une armure dorée. Ok. Ouais. Yeah. Ok. Ah, c'était du poison. Le poison dure pas longtemps parce que j'ai quelques charmes qui. Quelques trucs qui m'empêchent d'avoir trop de poison. Je l'avais pris surtout pour un derrière. Ça me sert encore pour celui-ci au moins. Il va le tuer. Ouais, moi, quand je vais être arrivé à Mephisto, là, je vais pas aimer aller dans cette zone-là. Encore des poupées de squelettes qui, quand elles explosent, vont perdre beaucoup de tes points de vie. Tu veux rire de moi? Alors, je pense en plus, faut que je cherche quoi? Une épée, mais pas une épée de cristal. Je pense que certaines épées, je crois que je dois trouver. Je peux le couper en deux avec des flammes. Je
Bon, pour dire les flammes sont magiques, donc Taïus est magique. Quasiment à la même. Un petit peu plus de défense. Moins de points de vie. Résistance à la foudre 5. 5 au poison à plat du feu.
un corbeau. Ouais, ouais, ça pourrait être peut-être. Je sais pas si elle va le garder, mais je pense peut-être ouais, que de modifier pareil le. D'abord, c'est où, Kalik? Sinon, je suis pas dans le tombeau de Talaracho. Pourquoi toi tu t'es mis là, Kalik? C'est toi qui dois aller là. Parce que, justement, je pense que le mainstream que je voyais, que je regardais, je pense ce matin, justement, il y a un gars qui a dit dans le chat, tu sais, genre, oh, j'ai perdu mon. Attends, c'était quoi son. Un de ses persos, je pense que c'était niveau. Dans les 80, je crois, quelque chose comme ça. Ah, j'ai failli marquer dans le truc. Ouais, mais l'inverse. Il y en a d'autres qui l'ont perdu presque au niveau 100. Donc, si toi, t'as pas aimé ça de perdre ton personnage, j'imagine celui qui était pratiquement à 100. De trouver son jeu. Hein. Oh, y en a plus là. Va peut-être me vider avant de ramasser certaines choses. Hey, as-tu eu d'autres pierres? Je sais, tu peux pas, c'est plus le, d'autres choses que je voulais ramasser. Attends, rajustement. Dire un ajustement. C'est quoi que j'ai pris qu'il fallait pas? Jamais. Petite autre chose. Oh, la bague. Ah, vitesse et résistance. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Je vais remplacer le 31 de score d'attaque. Et où? Allez. Okay. Là, j'adore ça qui a de la résistance avec. Au moins... Sans pas que j'ai floué de quoi. Un de portée. Oh non, je vais garder mon résistant de poison. Oh là, faut que je me fasse une petite réserve de. Il me faut une clé. Ouais, mais je les ai déjà utilisés, tes foutues clés. Ouais, c'est là. Y a-tu d'autres des... Ouais. Non, faut... Ah, peut-être un peu de soin. Mineur, cloué. Ok, là, j'ai trois possibilités. Attends.
Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé mes dés. Ah, oh, tiens, je vais prendre mes gros dés. Qui viennent de Magic Gathering. Je vais prendre mon petit rouge tacheté. Je vais mettre ça là. Donc, désolé pour le bruit, c'est juste pour savoir quel chemin. Donc, il y en a trois. On va dire que le 1 est à gauche. Le 2 est à droite. Le 3 est là-bas. Bon. C'est un de ces chiffres qui sort et là, c'est ça que... Et c'est un... 11. Donc, je vais à droite. Ah, non, j'ai dit à gauche. Mais de gauche de 1, 2, 3. OK. Donc, je vais à gauche. OK. J'ai eu un 11, donc c'est complètement à gauche. OK. Disons que les deux autres ont résisté à mon attaque, mais celui-là, non. Ok. Bon, c'était une salle qui valait rien. Okay. Bon, là, ça va être 2 et 3. Ok, on va essayer de sortir. Et c'est... Ah, il y a un 3. Je vais en bas. Ok. Les gars, mais je vais pas les prendre tout de suite. Toujours éliminer la menace avant de prendre quelque chose. Finalement, ça ressemble à droite, le numéro 2. Ah, de toute façon, chercheur, je pense que je l'aurais de toute façon pratiquement peut-être dans le même ordre. Des gants normales, mais j'ai des... Vu qu'il y avait un casque. Ouh, deux trous! Ouais, ok, donc. Ah, c'est pour remplacer celle que. Attends, j'ai-tu un casque spécial? Donc, je vais me vider tout de suite parce que si je dois avoir le cube, j'aurai pas de place. Puis on va remplacer le capuchon que j'ai gardé par la tête de loup. Je pense que j'en avais gardé un autre, je crois. Bon, attends, on va le remplacer. Que puis-je pour vous? Salutations. Ok, donc ici j'ai de la défense en plus, de la force, de la dex. Moi je perds 10, je vais perdre en poison. C'est combien en poison? 41, c'est ma plus forte. Ah, peut-être en perdre un peu, ouais. On va voir c'est quoi que je gagne en perdant. Bon. Répare un point de durabilité ou 30 secondes, ouais. Une portée, ouais. Et l'endurance, j'en avais pas. Je gagne en dex, donc je le perds pas. Je gagne de la force et de la défense.
et de l'endurance. Il faudrait que je garde diminuer de moitié la durée de l'immobilité. Parce qu'avec Duriel, il gèle. Donc si au moins je peux durer moins longtemps, ben je vais le garder. Mais je vais le prendre après, mais je vais le garder. Non, ça... Allez. Bon, je vais voir si je dois me réparer. Un peu. Donc ça se cachait dans la porte numéro 2. Ouais, les pseudo-chauves-souris qui sont au plafond, si vous avez un pouvoir. J'ai remarqué qu'on peut les toucher même si sont au plafond. C'est moi ou t'es en train de les tuer sans que je rouvre la porte? De la clé au cas où. Oh. Il est. Oui. Bonsoir. Un dégât résistance à la foudre. Bon, je pense que je vais l'échanger contre résistance foudre. Donc c'est lui. Tant que c'est pas ah, effet de poison diminué. Bah le boss de fin de ce stack là est pas de poison. Non merci. Ok. Yeah. Là je vais tuer. Ah ouais, je vais pas de place pour la. Au pire, moi, je pourrais peut-être le... Même si je mets le kill, là. J'ai trouvé le cube. Bon, parfait. Ah, normalement, je pense que j'ai pris le portail du jeu. Ce cube aura Dream est...
Soyez bénis. J'aurais pu mettre quand même... Attends. Non, c'est plus proche où je dois aller. Ouais. Le passage m'amène au... Là, je dois récupérer... le bâton, c'est ça. La manche dans le repère de verre. Ça, ça va me faire chier. Hein. Avec les estis de scarabée de food. Hein. Ah, attends. Et là, bord... J'ai cru que c'était la suite, mais non, on le recule. Qu'il restera pas coincé. Des fois, ils ont tendance à se coincer à des endroits qu'il faut pas. Tentez pas de faire tout l'aller-retour du... Ouais, descend! Descend, descend. Ah! Merci. L'endurance qui est pas... Et... Chambre. Ok, ça se dit que c'est une chambre de 3. C'est vrai que je peux le mettre. On va garder pour le vendre, parce que j'ai de la place avec mon queue. Oui, je sais que j'ai un niveau, mais faut pas chier. Les ennemis dans le coin, ils vont pas... Ah,
regarder en même temps si j'ai pas passé à côté du portail. Il peut être en seconde partie de l'Oasis ou dans la première. Relativement calme, mais faut prendre de chance. Level 18. Ok, jusqu'à 21 encore de la vie. On va dire à chaque fissure. Il y a des grosses chances qu'il pourrait être en bas, mais. Je vais aller l'autre bord pour voir s'il est là. Je le vois pas sur la map, donc il doit être en bas. J'ai passé devant. Je regardais trop le la map. J'ai de la pub, je vais pas payer pour le service, j'aurais pas de pub. C'est comme ceux qui achètent genre un enregistreur numérique juste pour skipper les pubs. Si on s'était pas les pubs, tu regardes d'autres choses. J'espère juste quand vous regardez stream que la pub est pas trop envahissante. Je parle de celle de Twitch là. Que je pourrais, si je joue genre au tout début, mettre le maximum de pub pour avoir le moins possible. Mais... pour le moment, il y en a juste une fois de temps en temps, puis ça pas trop vous fait chier. Ouais, je l'avais même pas remarqué à côté. Un de mes chats qui dort dans mon lit. Il aime bien ma couverte Donjon et Dragon.
Ben, c'est plutôt genre jeter, je trouve ça une petite couverte quoi. Et toi. Il est où le petit portail? Ah, oh, il était temps. Heureuse de vous voir. Bonjour. Ah, je vois que je peux avoir mon... Ok. Ça, je pense que je vais le mettre à part. Ok. Les boss, c'était pourquoi? Ah, ok, jusqu'à temps, ouais, j'ai. Ah, oh, attends, j'ai besoin de. Ouais. J'ai besoin de force. ouais, je pourrais y mettre là. Ouais, c'est sûr qu'avec savoir, je crois qu'il faut. Seul, mais j'en ai pas. Là. Il faut la goutte. Je sais que j'étais capable de l'avoir, mais il faudrait que je ferme un peu la comtesse. Ça veut dire qu'il est quoi et qu'il fait encore une justice. Ouais, c'est vrai qu'il n'y avait pas. Il n'y avait pas terminé encore. C'était quand même bizarre qu'il pouvait pas comme. Je pense, tu sais, des fois, tu as comme plusieurs choix. Là, c'est comme il avait fait, je pense, le choix de Batman. Et il n'a pas pu faire le choix de Superman. Comme le jeu l'obligeait à recommencer un petit peu plus loin. Pas le choix. Ok. Ça me fait penser à les banques tu sais, qui essayent d'attirer du monde en disant « Hey, vous voulez un iPad? Venez chez nous! » «
Oh, il est où trou des vipères? Pardon. D'où l'oasis et le repère. Il dit sous. Ah, mais je dois être sous. Hein. On se fout dans le sens sous. Ou alcoolique. Ben, je suis. Ça la map, je vois pas vraiment de l'indication d'un trou à quelque part. Peut-être un endroit que j'ai pas encore. Je pense qu'on va remonter. Ah, Rust. Ah, ça veut dire que je suis passé direct à côté? Ben, j'aurais dû le voir en passant. Ah oui, c'est vrai, j'ai longé le mur, donc j'avais peut-être pas assez pour le voir. Il me faut une clé. Ben, j'ai déjà utilisé les clés que j'avais. Ah, pour vous repérer, ouais, dans le rapport du verre, c'est droite, droite, tout droit. Ah, ben, c'est ça qui est. Ça peut, ouais, c'est ça, droite, mais
Et c'est sûr que le chemin, des fois, peut un peu différer, mais... Pour du temps, ça vous indique à peu près le chemin. Donc là, je suis posé d'aller tout droit, si... Faites chier, là. Ah, fais pas chier le jeu. Soyez bénis. Je voulais pas qu'il meure. Le bâton des rois. Avant, j'avais des bébés chats, mais c'est à cause qu'on... Regarde. Ils sont devenus des beaux chats. On est au même si je veux. À part qu'il y aura des bébés. C'est bon, la musique s'est arrêtée un petit peu trop. Bon, je pense que là, dans le jeu, j'ai réussi à faire comment ça s'appelle? Un oak, un genre d'arme qui sert un petit peu plus haut que Spirit. J'ai réussi à faire Infinity. Et genre, quand on enlève les mines, je pense que c'est un des derniers trucs, plutôt un des derniers. Ce serait genre Enigma puis Fortitude pour mon gars. Dans le jeu principal, là, pas dans le ladder. C'est un des trucs, un de mes objectifs. Là.
Ben, on l'a eu. Ah oui, ouais. Si par un hasard vous voyez ma vidéo, là c'est JSP2 ou chose comme ça, Le site de forum avec les FG, les forums Gold. Méfiez-vous, il y a des. Y a ceux qui ont réussi à dupliquer des trucs. Donc, genre des Enigma par exemple, ou d'autres trucs à peu près comme ça. Si vous voyez des annonces avec des énigmas un petit peu trop, évitez-les, c'est des copies. Puis ça se peut que quand vous vous connectez, reconnectez, c'est bye-bye la énigma. Donc faites attention. Parce que ils savent que le truc, ils ont fait de quoi. Donc si vous voyez que votre énigma que vous avez échangé sur ce site-là disparaît, c'est parce que c'était une copie. Donc faites attention. Donc allez sur des sites un petit peu plus légal, là, je pourrais quasiment dire. Que ce site-là, c'est parce que tu peux acheter genre des FG, genre et de l'argent, puis pouf, tu peux acheter tout ce que tu veux sur le forum. C'est ça que je trouve. Malhonnête un peu, tu sais. Ou genre des sites de genre, c'est quoi, c'est AOE.com ou comme ça, là. Parce que certaines vidéos que je vois, là, qui sont commanditées par eux autres, là. Eux autres, c'est encore plus payé, c'est genre, t'achètes genre un Enigma par ton argent, tu sais. À un moment donné, je sais quoi, juste pour vous donner un exemple, j'étais un groupe pour, comme, farmer, pis si j'entendais un gars qui prenait tout en double, un pour lui, puis un pour sa blonde. Ouais. Ok, ça tente pas de faire le jeu légalement. À place de faire pay to win. Je pense que c'est juste à cause de ça aussi que Diablo 4, ça a l'air qu'il va y avoir des mesures spéciales pour ça, pour contrer ça. Ça a l'air que juste entre amis que tu pourrais faire certains objets endgame que tu pourrais échanger. Pas comme des personnes nowhere que tu pourrais échanger. Il y a un mage zombie dans la zone, je le trouve cool. Le bâton. Oui. Salut. T'as voir le gars. J'ai fait quelques merci des petits trucs, c'est sympa, ouais. Ah, j'aime mieux prévenir, comme ça au moins. Parce que pour le moment, j'ai juste vu une vidéo en anglais qui parle justement des. La manière de dropper l'objet, mais vraiment pas, tu sais, en général, tu sais.
J'ai enlevé le HDR, je trouve que c'est beaucoup plus beau que sur ma TV et j'ai réajusté le brightness sur le web. Attends, c'est une suite ou... Ouais, fallait les serpents, mais j'aime mieux avoir le portail avant. Attends, je patente toujours. Moi, c'est ainsi que je patente, c'est dans mes persos dans Red Shadow Legend. Ah oui, mais ça, c'est un gros taponnage, non? T'es jamais satisfait. Ah, ça, je pense que c'est peut-être ton petit côté, peut-être perfectionné, je dirais, peut-être. Aussi, des fois, il y a certains trucs, des fois, que je modifie. Ouais, t'as pas d'un. Juste te donner un exemple, j'ai genre. Je pense que c'est dans l'ordre. Fait que son l'ordre, un genre archange. C'est genre. Le but, genre, demande, genre, certains trucs, genre, pour comme le rendre plus fort. Je trouvais qu'il faisait moins fort et qu'est-ce que j'avais. Là, j'ai comme légèrement modifié qu'est-ce que j'avais avant. Mais en regardant quand même le principal. Ah, oups, j'ai retrouvé ma puissance que j'avais au début. Parce que des fois, ils demandent genre un certain ensemble pour faire leur truc, mais... Je trouvais qu'ils mouraient plus vite avec le kit qu'ils suggéraient que celui que j'avais mis au départ moi-même. Tu sais, quand t'es rendu, j'étais capable de faire des... j'étais capable d'aider genre mes persos à augmenter à 8 seul avec mon kit, mais avec lui il mourrait plus facilement. Moi, je me dis oh fuck off, si je vais essayer de me coller plus avec ce que j'ai de base. Puis ça fonctionne bien, il survit encore, tu sais. Non, parce que je sais qu'il peut être très puissant, mais c'est juste que pour le moment j'ai peut-être pas assez de bon équipement pour qu'il soit peut-être optimal, là, mais pour le moment, qu'est-ce que j'ai mis, il est bon, tu sais. Parce qu'en même temps, il peut comme tuer toute l'équipe en harvest, puis en même temps, quand il attaque genre, une seule cible en snipant dessus, là, il peut ressusciter un de mes héros qui est tombé au combat. Et s'il veut, il peut faire genre du 26 000... 28 000 sur un adversaire en faisant ça, là, tu sais. Ah, je l'ai vu, il est là le temps. D'avoir le portail avant d'aller dans Vallée des Vipères. Pour le moment, j'ai quand même pas si pire de héros, là. Il y en a certains que j'enlève leur truc pour renforcer les autres, là. Là, faudrait que je trouve de quoi pour que mon squelette suprême soit comme un peu comme les autres, qu'il soit quasiment increvable. C'est quoi la liste que tu as mis sur... là, c'est des trucs d'horreur. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de parole, là. Je sais pas si je peux y aller. Okay. Ouais, c'est Halloween. C'est marqué fin. C'est en anglais, tu sais, fin d'Halloween, je trouve ça. C'est marqué original motion picture soundtrack. C'est avec Jason avec des flammes un peu en arrière. Il y a à peu près d'autres chansons. Je cherche pas pendant que vous. Il y a à peu près une quinzaine de tunes.
Non, parce qu'à un moment donné, j'en avais mis un, puis c'était pas pente. Je crois qu'il y avait 3-4 chansons dans le ring, le reste c'était comme s'il mettait n'importe quoi dans la liste. Pour le moment, je le garde parce que c'est des musiques d'Halloween, d'ambiance qui font un peu peur, donc. Je me dis, ça marche bien. Hein? Et on est pendant le mois d'octobre. Il faut que ça soit des trucs d'Halloween. Des serpents. Oh, t'as-tu de la parenté avec Indiana Jones? Je fais attention aux serpents parce que. Ils ont une attaque qui charge. Ça, c'est pas bon. Une salle qui sert pas à grand chose. Je me rappelle avec mon assassin à un moment donné, je pouvais faire tout un endroit, mais à cause justement de la charge, ça m'avait tué. De pas en hardcore, mais ils sont quand même assez violents quand ils chargent ces vipères là. J'ai bien hâte de Calypso Protocol. C'est un jeu, un film, ou un genre de prototype de quelque chose, là. De Calypso quelque chose. Il a peut-être déjà parlé, mais pour le moment, ça ne dit pas grand-chose. Oui, je vais copier. Un jeu des développeurs de Dead Space. Ah. Ok, c'est comme un petit peu le même genre que Dead Space, mais ou soit, ok, ouais, plus l'équipe Dead Space. Ben, je vais voir en même temps avec la recherche, là. Attends, c'est-tu de Calypso Protocol? Ouais, ok. Ah, il sort sur PS5 et PS4. D'après que je vois. Escape Black Iron Prison. Ok, ouais. Sortir de la prison de fer noir, ou comme ça, peut-être. On va regarder sur le site. Ok, ouais, c'est... Ok, ouais, c'est comme si c'était Dead Space, mais avec comme si c'était d'un autre univers. Avec la même petite affaire de soins dans le cou. Ils ont repris un peu leur... qu'est-ce qui faisait bien un Dead Space. Combattez et... attends, c'est... Combattez... Survivez... Ok, ouais, survivez... Attends. Fight to survive. The R Locked Whiten the Wall of the Black Iron Prison in this immersive next generation take. Ok, nouvelle génération de Survivor Horror Callisto Prototype. Incluant avec votre craft. Je vois pas le chat, donc je regarde sur le site, là. Sort sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X et S, puis Xbox One. Dis-tu une date? Si vous précommandez le jour même, vous recevrez un skin rétro gratuitement. C'est ça qu'ils disent sur le site. Pour le moment, je vois pas de date, là. J'ai pas vu de date. Attends, regarde, si je clique PS5, qu'est-ce qui peut me donner une date? PS5. Un jour même, je vois pas de date pour le moment. Ah, peut-être, ouais, il veut que je sélectionne mon. Journée même. Sélectionner. Canada. Ok, vendu sur GameSpot, PlayStation.
On va choisir Gunspot. Ok, il va me le dire. 2022 du 12 du 2. Ah, il sort le 2 décembre. Ah, vous tentez pas de le sortir en octobre? Ça aurait fait quelque chose de pas pire. Mais non, ça sort pendant Noël. Ben, c'est vrai qu'on voit dans le truc qu'il y a de la neige, là. Ben, c'est quand même un truc un peu survie horreur. J'aurais mis ça en décembre. Ou soit ils ont pas pu le mettre en décembre. Ouais. On verra. De toute façon, à chaque fois qu'on arrive pas loin de la date, des fois, on voit des vidéos, des trucs. Attends. Cliquer sans te bannir, juste pour montrer. C'est... Attends. C'est identique. Ben, celui de Dead Space, la santé, c'était genre tout le long de la colonne, le truc de santé. Là, c'est sur le casque. C'est cher et foutu, PS5, ouais. Sur PS4, il est moins cher, c'est ça qui fait un peu chier. Là. Ouais, c'est ça, descente, ouais. En descente. Dead Space, j'ai adoré, ça me le procure pareil. Ouais, si c'est la même, même compagnie qui a fait Dead Space 1, qui respecte les bases de Dead Space 1, ouais, ça devrait être pas pire. Là. Je sais qu'elle était quand même assez bien. Là. Il y avait quand même une bonne réputation, hein, Dead Space 1. Le 3 l'a comme massacré. Parce que le 3, ils l'ont vraiment... On va pas vraiment... Faites honneur à Dead Space. À quoi, y avait-tu des ennemis? J'ai en train de me faire le troisième, c'est le seul que j'ai pas fini. Moi, je l'ai eu, je pense, gratuit sur la PlayStation 3. Je l'ai fait sur Origin, pas la peine de ressortir la vieille PS3. Malgré que tous les jeux PS1 Best Of sont dessus. J'ai quelques jeux sur Origin. Moi, je m'aperçus que j'ai deux comptes sur Origin. Je pense qu'il y en a un que j'avais oublié le mot de passe, puis là, j'ai pu récupérer le mot de passe. Là. J'ai les goûts de faire les jeux PS1. J'ai une épée de cristal. Je sais pas si je serais capable de faire des bonnes stats. Bon, j'espère que je me ferai pas tuer. Ok, là j'étais à 19. Moi, ouais, je crois que j'avais dit jusqu'à 20. Et 1. 19. Encore un point. Ok, ça c'est fait. Le son en anglais, puis ils sont vraiment
optimisé comparé à d'autres sources. Ah, il me faut trois trous. Faut que ça soit un petit peu comme ça, mais trois trous. Je vais voir de quoi. Ok. Plus de potions de vie qu'à de mana. Fallait que j'aille direct dans le... Je ne peux pas. Tu peux pas. Merci. L'entrée que j'ai oublié? Ah oui, il y a un petit passage vers la gauche, j'ai pas fait. Okay.
Je pensais qu'il y aurait des genre de trucs égyptiens, là, invocateurs. Le bouclier, c'est pas trop lourd. Je ne peux rien porter de plus. Tête de loup supérieure, on verra si. Encore assez de force, Coralic. C'est bon, 4 malheurs, on s'en fout. Tant qu'il n'y a pas d'autre chose, je m'en fous. Ok. La force encore. L'amulette. De Talracha, une fois à l'intérieur. Salut. Heureux de vous voir. Je suis niveau combien? 9. J'avais pas le droit aussi à quelque chose? Ouais, parfait. Bon, ça, je peux vendre ça. Parce que ça va renforcer mes mon feu. 3 compétences au feu. En plus, au moins, ça me donne la régénération aux victimes quand j'ai Zagdak. C'est drôle. Ah oui, ouais, faut que j'aille voir le gars, sinon je sens qu'il m'accepte pas. J'ai tout fait les chansons. Ah, c'est parce que le bout, il est pas très fort. J'ai fait quelques re... Quand les troubles ont commencé, l'écoute... Bienvenue au palais. Bon, je vais attendre la level 20 pour voir si un des casques avec châssis va être pas pire.
Ah, j'ai zaillé ceux-là. Pour moi, ça n'a rien changé. Attends, c'est ce que... de police de... Ah, ça, c'est pour la discussion. Moi, je voulais comme ratisser le texte... Truc. Pas l'air de l'avoir. Parce que des fois, ça peut être un peu envahissant le nombre d'objets qui est par terre. C'est un niveau 2 ou niveau... Bah, je vais faire le tour comme ça au moins. Sûrement tomber dessus à ma nuit. Ok, t'es retour, t'es retour. Non, c'est niveau 1. Ah. T'inquiète pas ici. Ah, il est au-dessus de moi. Comment qu'on y va? Oh non, 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 non. J'ai ça, ceux-là. Ah, bon, ils ont failli tuer mon gars et moi. Yeah.
Ah, là, je peux sacrer mon calcite. J'ai été voir les lyriques de la chanson qu'elle chante. Tu me fais chier le jeu de me mettre en arrière quand je voulais me cacher. Oh, j'ai eu deux chambres de suite. Ça veut pas dire qu'ils sont bons. Ok, je suis correct. Ok, non, c'est bon. Ouais. Alors, je suis mal avec ces astuces de ces là. Ouais, il m'en donne plein. Ben, si c'est des ristons, je crache pas à côté. Hein. Ben, je crache pas dessus, c'est plutôt. Ouais. Truc là? C'est quoi un truc? Ah, pour savoir lequel? Ah non, je me rappelle pas. C'est surtout de la chance qu'il détermine où ce qui est. Bon, ça c'est-tu bon? Ouais, ça fait de la défense. Bon, je m'en fous du de ça. J'ai des coups de feu. Wow. Je me pogne malheureusement toujours le dernier. Ah, c'est ça qui arrive le plus du temps. Ah, mais des fois il est genre côté portail, des fois il est ailleurs. Attends, gars, il y en a 4. Attends, c'est quel qui va être le 1? On dirait celui qui est le 1. Le 2, 3 et 4. J'ai juste de 1 à 4. Attends, on va voir quand ça va être le dernier chiffre. Ok, ça a failli être le 4, mais là ça va être le 3. 1, 2 et 3, donc à droite. Okay. Oh, c'est rare que c'est ici. Très rare que c'est... Ça passe du temps quand il y a des trucs de même. T'sais. Non, c'est un dé de 20, mais je joue avec le dernier chiffre. C'est vrai que je pourrais aller avec un dé 4 et un dé 6, parce que j'en ai un en plus.
Parce que je voulais genre un dé plus gros. Mais... C'est vrai qu'avec mes petits dés, j'ai... On est sur GameStop, j'avais justement acheté des... Des multidés. Bon, je vais la remettre où est-ce qu'il y a. Ouais, d'habitude, c'est soit 3 ou 4. Donc, ouais. C'est un dé de 3. Fait qu'à 4 aussi, c'est ça, je trouve ça bizarre. Il peut aller de 1 à 3, mais il y a 4 aussi dessus. Je vais prendre lui. De toute façon, il y a 4 aussi, donc on va le garder pas loin. Mais c'est rare que c'est avec les pièges. Très rare. Je me souviens même pas s'il l'a déjà eu avec les pièges. Pas au pire, gars, je vais en prendre un autre. C'est rare quand il y a les pièges qui est là. On va faire un autre avec le dé. Attends, là, c'est quoi, quel que je dois voir? Là? Bon, ça doit être le 1. Ouf. Le premier des charmes. Dur la tabarnette. Ah. Ok, ta question c'est as-tu un jeu de PS1 que tu préfères? Bah, Legend of Dragon, j'aime bien. Et le Crash Bandicoot 3, j'aime bien aussi. Bah, Crash Bandicoot, je l'ai fait peut-être pas à 100%, mais je sais que j'aime bien le faire. Jusqu'à eux autres. Je sais pas si je... Attends... Connecte mon PC sur ma TV ici. Ouais, s'il y a une prise appropriée, je dirais que oui, mais... À peu près, les TV modernes ont toutes des prises HDMI. Donc, je dirais oui, tu pourrais le faire. Mais aussi, je pourrais le faire, mais... Parce que j'aime mieux jouer sur ma grosse TV que ma petite... Mon écran de TV, pas de TV, d'ordinateur. C'est niveau 20. Niveau 20 encore pour le moment. 20, ça va être mon dernier fisseur. Puis après, Israël va me donner un autre en d'autres choses. Dernier fisseur ici.
Attends qu'il vienne plus proche. J'ai besoin de... Oh, ça devrait aller pour le moment. Bon, c'est celui d'en bas ou celui d'en bas? Pas celui. Des fois, il peut être vers la gauche. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ok, non, celui-là, c'est pas le bon. On va peut-être voir la droite. Ah, j'ai eu la version anglaise, il faut. Non, c'est rien, t'as pas de signal, c'est pas grave. Pour le moment, je sens que c'est pas la bonne voie. Parce que je sens que je fais le tour. À moins qu'il soit le bon. J'ai entendu un son d'un char, mais il n'y a rien qui est tombé comme un char. Attends pas de monter l'escalier, mon petit épais. Ici, viens ici. Je sens qu'il est dans les étages, t'es suspendu comme. Ah, c'est ça. On a un rempoirier. Donc c'était ni le 3 ni le 1. Non, c'est soit 4. Ça a l'air que c'est les deux d'abord. Ouais, ça ressemble à un truc, ouais. Ça se pourrait qu'il soit ici. Pourquoi t'es pas gay là, pas une estie d'escalier? C'est ça que j'haïs de ce niveau-là. Les hosties de mercenaires sont pognés. Il y a un escalier ici, viens ici. Oh, lick. Ah,
Un portail, je sens qu'il y a de la misère. Ah, il y a bien d'autres la misère avec les escaliers. Excusez. Parce que là, j'ai la gorge qui me pique. Juste aller chercher ma bouteille d'eau. Tiens. Pourquoi ça m'arrive là, là? Je veux pas mourir avec ma gorge qui me pique. Ah, ok, je pense que... Le truc que je me mets dans le nez pour le déboucher, je pense qu'il a arrêté. Quand ça me pique, là, je sens que... faire de suite. Parce que j'ai un canne qui est... Enfin, je vais juste fermer le micro pour que vous m'entendiez sniffer. Essayer de déboucher mon nez. Pensez pas des trucs bizarres. Ça sera pas long. Ok. C'est genre les petits push-pas que tu mets dans le nez pour te dégager. Ah. Le petit côté que j'aime pas, c'est quand que ça dégoûte un peu dans la gorge, puis là, ça a un mauvais goût en esti. Ok, bon. On va se replacer. Ça a manqué de potions, donc on va aller en chercher. Salutations. Salut. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Alors, là, c'est plus la santé que je cherche. Là, j'en ai 4, 5, 6, 4. Encore? Bah, peut-être 2 dans le fond, puis... c'est bon, ça? Là, bon. What?
Ah, mais il faudrait qu'il y ait des trous. T'attends pas de prendre l'arduque juste pour... Surtout que j'en ai juste besoin d'un trou pour faire le bouclier des anciens. Je crois pas qu'au niveau normal, il drop les charmes de compétences, je crois pas. Pas ça pour moi. J'ai eu quelques charmes de compétences, mais c'était pas vraiment bon. Attends pas de mourir avec les éclairs. Je ne peux rien porter de plus. Bon, ça j'en veux pas. Même si ça me donnerait de l'argent, je m'en fous. De tourner en rond, donc... Donc c'était celui que j'ai pas pogné, là. Soyez bénis. J'espère que c'était pas celui que... que je dis qu'il sera pas là. Ah, oh, attends, je vais prendre un guess, je vais aller à celui que j'ai éliminé au départ. Avec le truc du genre, ah, finalement, tu vas toutes les faire. Ah non, ah, ok,
Ah, oh, ça c'est chiant, ça, celui que je dis que c'est rare qui est là. Oui. C'est vrai que c'est rare quand c'est des pièges, c'est rare qui est là. Tu sais, c'est soit le portail ou les trucs en hauteur. Oh, y'aurait-tu de me bombarder là? Ok. Salut. Oui? Il n'y a rien qu'une potion ne puisse guérir. Endurance et vie. En es-tu un autre qui a peut préparer? Des vies... ça me donne 12 de vie. 7, 6... c'est quoi? Oh! 12 résistance! Ça, je le garde! Oui, je le garde. Ça, c'est bien, ça. En plus, il va aller en plus avec mes autres résistances. En non leader, parce que j'en ai plein qui sont... total résistant, ça. Ça, faut les garder, ça. Ok, lui, je le garde. Donc, on va mettre ça ici. Donc, le lit, il faudrait que je le mette à quelque part. Bon, c'est quel que je disais que fallait que j'enlève. Et là, j'avais de l'endurance et... Oh, attends. Sacrifier. J'aurais pu... Des fois, je trouve épais le rangement qui fait automatiquement. Oh. Là, j'en ai 4, 5, 6. 4, 5, 6. Égal comme ça, moi. Même si j'ai un objet, au pire, je mettrais par terre pour aller le récupérer. Bon, c'est vrai que c'était le côté que j'avais exclu au départ, donc je l'aurais eu direct. Donc d'habitude, le sorcier, c'est de la merde. Il y a une tapaze, on va, comme j'avais dit, mettre passion pour récupérer le truc. Bon, celui qui manque... Non, le triangle est là. Non, les flèches sont là. L'étoile... Moi, c'est considéré comme une étoile. Le carré est là. Le clope est là. Ah, elles sont toutes là. Quiconque cherche. Bon, c'est le sourire qui est pas là. Le demi-lune, la demi-lune n'est pas là. Donc c'est la demi-lune. Quiconque cherche. Donc c'est ça, c'est la demi-lune. Hi! La demi-lune. Ah! Désolé, c'est mon le truc pour mon nez qui est en train de le goûter, c'est dégueulasse. Ok, bon. On va essayer de savoir où ce qui est. Bon. Le bon tombeau. Ok, il est vers la gauche entre la lune et le carré. La demi-lune est en la gauche, ok. Vous vous demandez comment je sais, il y a un petit site qui donne une image parce que les tombeaux ne bougent jamais, c'est juste le symbole qui dit, qui est manquant, qui dit lequel vous devez aller. C'est comme un genre de, je pourrais dire, un site avec des statistiques puis des trucs qui vous disent, par exemple, je sais pas, quelle rune
faut combien de runes pour faire le reste des runes. Certains endroits, c'est des... il est comme assez complet comme site. M'en sert surtout quand je dois chercher le tableau de Talarasha puis mes runes. Au pire, je pourrais peut-être le mettre en description. Donc, il est à gauche. Mais en ville, doit acquérir les nouvelles informations. Regarde. Vous avez trouvé le de très puis. Super. Mettre le bâton, puis. Il est 10h30. J'ai trouvé le tombeau, mais de toute façon, le truc va changer entre temps. Je vais le garder pour la prochaine fois. De toute façon, tant que vous avez le bâton puis trouvez le dernier portail, ça va changer à chaque fois, mais au moins vous allez savoir juste en indiquant la quête va vous le donner. Ok, avant, je vais juste checker qui est en live actuellement. Ben, je vais arrêter la musique. Besoin. Ok. Il a choisi Nightmare Creature. On va regarder au cas si. Il y a d'autres mondes que je connais. Les judis, ça dépend. Je sais qu'il y a les accros. Normalement, j'en vois pas d'autres. Ah, c'est vrai que je pourrais raider un autre de la communauté des VTubers. Ah, il y a Lulune, peut-être. Baten, Ketos, Eternité. Ah, bon, il est long le titre. Keten, Ketos, Eternal Wings. And the Lost Ocean. Ok, ça vous tentait pas Zeus? Baten, Ketos, Eternal Wing, c'est tout. À la place d'ajouter N de Lost Ocean. Ça fait penser les titres de manga ou d'anime qui à rallonge juste pour expliquer c'est quoi le truc. Non, t'es, on va aider les accros pour péter le. L'apparition d'antithèse en VTuber. Il y a de la pub. Oh chier. C'est. Ok, non. Allez. Tu quittes Percy pour le stream, ce serait cool. Ouais, je veux. De toute façon, je fais 3 heures, puis. De toute façon, dans 30 minutes, c'est. J'aurais arrêté de toute façon. La prochaine fois. De toute façon, vendredi, je vais en faire un autre, donc. On va continuer avec mon druide. On va se. Ok, là, le raider, il va pas le voir parce que. Non, il est pas. Faut que je l'arrange à chaque fois. Il n'y a pas une affaire, genre, correspondant à quelque chose. Hein. Les crossbows, sinon, trouver une fenêtre du même. Putain. On va prendre celui-là. Je vais mettre le son. Qui donne le tir. Ok. C'est moi qui vais trop vite. Ben, toute la semaine, ça a été ok, ça. Merci d'être là, Red. J'avoue. Que cette soirée. Je vais trop vite. Diablo. Parce que je suis pas mort. J'ai fait ça. tout va bien. Eh ben, non. Ok, merci. On se revoit. Soit à 13h ou soit à 19h, ou tout le matin peut-être, ça dépend. Je vous dis bonne soirée à tous et merci encore à tous ceux qui étaient là. Par exemple, pour moi aussi, la